14h. D'accord. Et dites-moi, comment ça s'est produit exactement? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il est arrivé face à vous ou dans votre dos? Dans votre dos, d'accord. À grande vitesse. D'accord. Et donc, vous pensez que ça pourrait être l'individu qui fait parler de lui depuis si longtemps à Orléans et dans sa région? Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Un bandana rouge. Est-ce que vous avez pu, par exemple, avoir le temps de relever sa plaque d'immatriculation ou... Non. Non. Bah oui, bien sûr, ça fait ça. Ça tout se passe très vite, oui. Voilà, d'accord. D'accord, je vous remercie. Au revoir, madame. De toute façon, la photo est... Selon le journaliste Paul Morvan, l'affaire pourrait être bientôt élucidée. Et maintenant, la météo. En courant d'après-midi, une nette dégradation orageuse avec cette perturbation qui va donner des précipitations entre la Lorraine et l'Alsace. Non mais ça va pas du tout la une. On avait dit qu'on mettait les élections. Bon, je vais un autre bon à tirer dans une heure. Merci. Alors Paul, il paraît que vous êtes sur une grosse affaire. J'espère que vous allez nous sortir des papiers, voire un scoop. Je crois que vous pouvez me faire confiance. Alors, tu l'as faite cette photo? Je viens de te l'envoyer. Ah, bon, on va regarder ça. Tu l'as envoyé sur mon mail? Ouais. Eh ben, dis donc, c'est bien. Oh, elle est pas terrible, mais c'est un scoop. C'est le document, hein? Alors, mon petit Paul, il paraît que t'as un scoop. Regarde, il est pas beau? Arrête de faire ton cake, on dirait une poule qui a trouvé un cure-dent. Un couteau? Quoi, un couteau? On dit une poule qui a trouvé un couteau. Bah, qu'est-ce que ça change, un cure-dent, un couteau? Qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Bah, tu vas voir ce qu'elle va en faire. Ah, et ben j'attends, ouais. Je veux voir. République du Centre publie ce matin l'interview exclusive du motard masqué, ce voleur à la tire qui sème la panique dans les quartiers d'Orléans. C'est le journaliste Paul Morvan qui a recueilli, sous couvert de l'anonymat, les confidences du motard masqué. Un véritable scoop.